Quoi? Je peux ou pas? Non. Oh. Papa! Quoi encore? Je peux y aller? Non. Papa? Quoi? Je peux y aller? Non. Papa! Non, j'ai dit rien, Margot. Mais c'est pas moi, viens voir! Mais ça va pas, les filles, arrêtez, c'est interdit. Il était une fois dans un pays merveilleux où le soleil rendait heureux. C'est en bordure de Méditerranée que notre histoire a commencé. Mesdames, messieurs, voici maintenant compter la folle épopée d'un joyeux chevalier parti en croisade nous délivrer son message de liberté. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est un vieux principe de vie, une vraie philosophie. C'est en chantant n'importe nawa qu'on devient n'importe naoui. En vivant ses utopies, un peu beaucoup à la folie. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. N'importe quoi. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. N'importe quoi. Un beau soir devant tant de bouffonnerie, à la télé souvent servi, on lui lança un véritable défi, mieux faire voir muser la galerie. Entouré de ses plus fidèles amis, à la pêche aux idées il sortit. Petit à petit sa légende grandit, des rues de Montpellier il prit Paris. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est un pur principe de vie, une vraie philosophie. C'est en chantant n'importe nawa qu'on devient n'importe naoui. En vivant ses utopies, un peu beaucoup à la folie. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. N'importe quoi. N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. N'importe quoi. Princesse Maya, il fut trouvé. Il se marrait, rire des bébés. La morale de ce joli conte de fées est qu'il ne faut jamais oublier que la vie est d'abord faite pour se marrer sans un sou parvenir à nos.